certains matériaux sont conducteurs du courant électrique, d'autres qui ne conduisent pas le courant sont dits isolants. Alors l'expérience est facile ici. Si l'ampoule s'allume, c'est que ce qu'on a mis ici entre les deux pinces crocodiles conduit le courant électrique. Donc cet alliage métallique est conducteur. Le cuivre a une bonne réputation. C'est un bon conducteur. Le verre, si j'essaye ici, je vais trouver que le verre est isolant, il ne conduit pas. Le bois est isolant. Le graphite, c'est-à-dire la mine du crayon seulement, conduit le courant électrique. Donc pour l'instant, on a vu des métaux et le graphite. L'aluminium est un métal. On peut s'attendre à ce qu'il conduise le courant électrique. Il faut gratter un peu, hein. Il y a une couche d'oxyde qui est mate, qui est elle isolante. Mais si on gratte un peu jusqu'à la partie brillante de l'aluminium, on montre que l'aluminium conduit le courant électrique. Matières plastiques sont isolantes. L'eau salée est un bon conducteur et l'eau distillée, l'eau qui n'a rien de spécial, je dirais pas qu'elle est isolante, mais c'est un moins bon conducteur que l'eau salée. En tout cas, pas suffisamment conductrice pour que l'ampoule s'allume.